J'ai reçu un joli bébé à la maison il y a quelques jours et j'avais très envie de vous en parler. Le livre Soul Hearts de ce très cher Vativedia. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé un retour sur le livre, savoir si ça valait le coup, et à raison, puisque c'est quand même un objet qui a un certain coût. Actuellement, sur le site en question, vous le trouverez à 100€, comptez 120€ avec les frais de port, donc il faut quand même savoir ce qu'on achète, c'est un objet de collection, quelque chose qu'on va être fier d'afficher dans sa bibliothèque. Et moi, c'est un beau cadeau de Noël que je me suis fait, clairement. Le seul d'ailleurs, parce qu'après, j'étais complètement à sec. Donc, qu'est-ce que c'est exactement ce livre? Est-ce que c'est un livre de concept art? Est-ce que c'est un guide? Non, pas du tout. En fait, il y a quelques temps, Vativedia avait organisé sur sa chaîne des concours de fan art avec des thématiques bien précises à chaque fois. Par exemple, pour la sortie de Sekiro, c'était imaginer des prothèses pour le bras gauche de loup, pour la sortie d'Elden Ring c'était imaginer des boss. Il a compilé toutes les meilleures créations dans ce livre que je m'en vais dorénavant vous présenter. Voilà l'objet, pour commencer donc on a ce magnifique boîtier qui a été pensé comme une fenêtre sur l'intégralité du bouquin. Vous verrez qu'on retrouve cette idée à plusieurs reprises. Et une couverture absolument splendide, je ne sais pas ce que c'est censé représenter exactement, mais ça m'a un peu fait penser à Aldrich de Dark Souls 3, avec ses ombres à droite qui rappellent l'apparence des humanités de Dark Souls, que vous apercevez notamment dans la grotte du DLC. On ouvre, là vous avez une première page avec pas mal de symboles qui vont rappeler les jeux From Software, le symbole du serment solaire par exemple, des épées, ce genre de choses. Puis on arrive sur les premières pages, l'occasion de voir que Vativedia s'appelle en réalité Michael Samuels, ça fait un peu bizarre je dois dire, et cette première œuvre absolument sublime qui me rappelle le monde peint d'Ariandel avec ce pont, le dragon enfoncé dans la neige qui fait penser à un lézard cristallin, ce qui ressemble à Anor'Londo derrière, puis ce grand arbre qui n'est pas sans rappeler l'arbre monde d'Elden Ring, c'est absolument magnifique. On enchaîne avec le sommaire, une petite préface bien sûr, et c'est le premier chapitre qui va traiter des idées de prothèses pour le bras gauche de Sekiro. Là encore, on a cette présentation sous forme de fenêtre, de vitrail qui va donner un aperçu de ce à quoi on peut s'attendre dans ce chapitre. Et vous le voyez, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on n'a pas uniquement un dessin, mais les gens qui ont proposé leur concept ont vraiment fait l'effort à chaque fois de le rendre crédible en proposant des explications sur le mécanisme et comment ce sera utilisable en combat et dans le jeu. Pour chaque œuvre, en dessous et en sous-texte, vous avez un paragraphe manifestement rédigé par Vativedia qui va vous présenter un peu le lore autour du concept, quelles sont les inspirations, les origines derrière ces créations. Et pour le chapitre Sekiro, ça va tourner majoritairement autour des dieux, du folklore japonais, c'est vraiment intéressant. Là, par exemple, on a un concept pour une prothèse qui permettrait d'accrocher une bombe sur l'ennemi, puis de reculer avant de la faire exploser. Et vous voyez qu'on a tout le détail à quoi va servir la touche R2, puis la touche R2 plus R1. Page suivante, on a une espèce de faux que l'on pourra utiliser en combat rapproché, puis une grande épée, un peu dans le même ordre d'idées. Là, c'est fabuleux, on a carrément une colonne vertébrale de dragon qui pourrait se déployer pour aller attaquer les ennemis. Et ça ne sort pas de nulle part, on a le background qui nous explique que c'est le cadavre d'un dragon qui terrorisait les habitants de l'île d'Imeshima, c'est passionnant à lire. Là, on va arriver, vous le voyez, sur ces splendides doubles pages, il y en a plusieurs dans le livre, qui là nous présente une prothèse de mini montgolfière qui permettrait de s'envoler puis d'aveugler les ennemis via la réfraction des rayons du soleil, pour ensuite réaliser des assassinats aériens. Et on a toujours à côté toutes les explications détaillées sur son fonctionnement. Le deuxième chapitre se concentre sur Elden Ring, et l'idée était de proposer des idées de boss alors que le jeu n'était pas encore sorti et qu'un seul trailer avait été diffusé, très cryptique à l'époque.
Peu d'infos sur le jeu donc, si ce n'est qu'on savait déjà que ce serait un monde ouvert. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on va retrouver dans ce chapitre des concepts de boss qui vous feront certainement penser à des ennemis qu'on a finalement croisés dans le jeu, comme si ces artistes avaient des dons de divination. On commence avec ce géant de pierre, réalisé en pixel art, qui n'est pas sans rappeler les nombreux géants ou golems que l'on peut croiser dans le jeu. Regardez cet oiseau mystérieux qui semble sonner comme un écho au rapace funeste, ou ce chasseur muni de bois sur la tête qui me remémore la Siofra et ses esprits ancestraux. On a vraiment l'impression de plonger dans un univers en parcourant ce livre, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en l'épluchant, l'impression d'être transporté dans un autre monde à chaque page. Regardez ce chevalier à dos d'une monture qui forcément fait un écho à Torrent, émanant une lance électrisée, absolument magnifique. Page suivante, un nouveau personnage dont on se demande s'il n'est pas un début de concept pour O'Hara Lou, ou ce géant, à nouveau, qui semble tout droit sortir de la cime des géants vers la fin du jeu. Et enfin, je voulais terminer avec ce boss qui semble être un mélange entre les cavaliers crépusculaires et les sentinelles draconiques avec cette arme énorme. Encore aujourd'hui, je reste estomaqué de l'imaginaire infini de ces artistes et de ce qu'ils sont capables de produire. Le chapitre suivant est des plus passionnants puisqu'il proposait aux artistes d'explorer des contrées souvent évoquées dans la saga Dark Souls mais que l'on n'a jamais vues. Ainsi, on va retrouver des représentations de Cortland, Melfia ou Astora. Le plus marquant pour moi reste cette double page recto verso proposant un visuel de Katarina, la ville des chevaliers oignons, et derrière une représentation de la ville de Karim, dont sont issus quelques PNJ de la saga des Souls. C'est tellement beau, tellement bien réalisé, que l'on en viendrait presque à souhaiter que From Software donne naissance à ces lieux dans une éventuelle suite ou spin-off. Oui, je sais, laissez-moi rêver s'il vous plaît. La ville de Karim revient d'ailleurs de nombreuses fois dans ce chapitre, elle semble avoir inspiré les artistes, mais tout comme Londor ou la nouvelle Londo. Je ne veux pas trop vous en montrer, mais il y a de quoi se régaler, et comme les images parlent plus que les mots, je me tais et vous laisse apprécier ça avec un peu de musique. Le prochain chapitre n'est pas mon préféré mais ce n'est pas loin, pourquoi ? Parce qu'il s'imprègne en grande partie de quelque chose que voulait faire FromSoft mais n'a pas pu faire. Il existe dans Demon's Souls 5 archipierres, chacune menant à un monde différent. Non, en réalité il en existe une sixième, censée contenir le monde enneigé des géants, mais qui a été détruite par ces derniers pour protéger leurs terres. Ça, c'est ce que nous explique le jeu lors de sa cinématique d'introduction. La vérité, c'est que From Software a manqué de temps et de moyens à l'époque pour réaliser ce sixième monde, et comme souvent, ils l'ont caché habilement avec une nouvelle couche de lore, car le génie, c'est inné, ça ne s'invente pas. Le postulat de départ de ce concours était donc pour les artistes d'imaginer ce sixième monde à partir des infos déjà fournies. L'occasion de retrouver des paysages enneigés, qui ne manqueront pas de vous rappeler ceux d'Elden Ring évidemment, de retrouver des créatures connues mais aussi d'autres plus loufoques. J'avoue avoir un faible pour la Baronne de Fer par Titania Pisvor, qui dégage une classe incontestable, ou ses 6 pages consacrées à la Cité perdue de Christian Reyes, quel talent! Sans omettre Valgagor, un espèce de Fenrir muni de bois, choisi pour protéger les habitants de la menace des monstres. Mais ne perdons pas de temps et basculons sur ce qui est à mes yeux le meilleur chapitre du livre, le meilleur pour la fin donc, imaginez Bloodborne 2. Aucun jeu From Software n'égale l'aura de Bloodborne si ce n'est Bloodborne lui-même. Nombreux sont ceux à espérer une mise à jour 60 FPS de ce chef-d'œuvre, mais encore plus nombreux sont ceux à espérer voir poindre une suite. La liberté d'action est totale pour les artistes. Imaginez une ville, un personnage, une arme, tant qu'elle pourrait se fondre dans une éventuelle suite de la meilleure adaptation à ce jour de l'univers lovecraftien. Thomas Chamberlain Ken s'est donc laissé aller
a imagé la ville de Loran, souvent évoquée dans Bloodborne mais jamais montrée, si ce n'est dans un donjon Kalis qui laisserait paraître une ville plutôt désertique. D'autres ont cherché à explorer un peu plus en profondeur la thématique des villes sang, tandis que sur cette superbe double page, c'est le personnage de Caril, le créateur des runes, qui est imaginé, s'étant transformé en une chouette avide de savoir après contact avec une ruine ptumérienne. Je ne veux pas trop vous en montrer et risquer de gâcher tout le plaisir de la découverte, et on arrive donc à la fin de cette présentation. J'espère que vous vous êtes laissé emporter et que ça vous a donné les cartes pour savoir si oui ou non cet objet est fait pour vous. Le livre se termine sur les interviews de deux artistes ayant participé à l'œuvre, l'occasion d'en apprendre un petit peu plus. Je vous rappelle que vous avez le lien en description si vous souhaitez vous le procurer, et n'hésitez pas également à consulter la vidéo de Vativedia si vous voulez un peu plus de détails, je suis volontairement resté en surface aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, ciao.